Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tester les Yeol Ramen. Alors apparemment, il y a plein de Coréens et Coréennes qui aiment manger ça. Apparemment, c'est hyper épicé, comme c'est écrit ici. Alors je vais les tester, j'ai fait 2 paquets. J'ai des saucisses pieuvres, des œufs, de la viande hachée, enfin du steak haché dedans. Et en boisson, j'ai du jus de pomme. Et en invité, nous avons Sephora qui est juste là, qui va papoter avec moi. Et Aaron qui est assis dans sa chaise haute. Mais d'abord, je vais commencer par faire les... shout-out. Parce que je sais que vous aimez les shout-out. Et que j'aime vous faire plaisir à faire les... shout-out. Premier shout-out pour Nelly et Lina Hey d'Algérie. Pour Taomi et Nancy, les deux stars. Pour Buffy Summers et Faith Leanne de Sunnydale. Des filles qui font des RPG et qui sont fans de Buffy. J'adore Buffy. Pour Amel d'Algérie. Pour Asia du 69. Pour Anaïs. Pour Victoria de la part de sa cousine. J'adore ce prénom. Victoria. Ça fait tellement classe, tellement élégant. Pour Awa. Pour Ashley Mahan de la part de sa cousine Crystal. Pour Ramlata de la part de sa grande sœur. Pour Pistache d'Anvik et sa petite sœur Justine. Pour H.A. M.H.D. et F.A.T. de Marseille. Pour Asma et Iliana 974 Bouya. Pour Angie, Anaïs et Naomi de Maurice. Et en dernier pour Neira 974 Bouya de la part de sa grande sœur Saïra. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Alors Sephora ne pourra pas faire de vidéo pendant un petit moment. Pourquoi tu pourras pas faire de vidéo pendant un petit moment? Je sais pas. Parce qu'elle a fait un salto dans le trampoline. Elle a une énorme bosse comme ça. Je sais pas si vous connaissez Defiance. Vous voyez un peu Irisa dans Defiance avec son énorme boss ici, enfin son énorme front et les yeux, le nez assez balèze là. Ben, elle ressemble à ça, Sephora, en ce moment. Oh non, les nouilles, elles sont en train de boire tout le jus. Attends, je vais goûter. C'est pas fort du tout. Je me suis fait 2 paquets. J'ai mis toute la sauce dedans, c'est pas fort du tout. Hein. Les boules d'ac, ils sont plus forts que ça, je trouve. Bon après c'est chaud mais c'est juste chaud quoi. Regarde les saucisses. Des petites pièvres. Ouais. C'est peut-être que t'aimes tellement le piment que celui-là il est pas assez fort pour ta bouche quoi. J'avoue. Ouais t'aimes tellement le piment fort là. Alors dis-moi comment ça s'est passé ta bosse là. J'ai oublié de mettre de la dessus parce que ça me fait mal. J'ai oublié de le cacher à l'école, du coup je mets ma casquette. Et là, je l'ai toujours sur la tête. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais au salon. À la base de base. J'étais dehors avec les enfants. Puis à un moment, je suis rentrée. Genre 1 minute pour prendre mon téléphone pour savoir comment repérer une fourmilière. Parce qu'on est envahi de fourmis. Des petites fourmis. Il y a des petites fourmis qui rentrent par la porte d'entrée. Donc, je sais pas. J'essaie de les suivre, mais je les ai pas vues. Du coup, j'ai voulu prendre mon téléphone. Pour vous regarder sur Google comment repérer une fourmilière dans un jardin. Et j'entends waouh dans le jardin. Waouh. J'ai entendu waouh. Quand je sors, t'as ces bras qui s'attrapaient le fond comme ça et couraient comme un poulet. Quoi les poulets qu'on vient de couper la tête là? Qui court, qui court, qui court. Bah elle était pareille, elle attrapait son front et elle courait partout. Moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle gueulait. Ouais, là, 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 là. Je comprenais rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai l'enfant là, elle est bête ou quoi? Et puis là, elle me sort. Elle a réussi à se calmer. Elle me sort, j'ai fait un salto. Bah oui, bah tu fais tout le temps des saltos. Mais au final, j'étais tombée par-dessus le filet. Et du coup, je me suis fait une bosse. Et du coup, je lui demande, mais tu fais tout le temps des saltos, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je sais déjà suivi. Elle me dit, j'ai voulu faire un super méga salto et je suis tombée par-dessus.
Moi, je connaissais pas, c'est une menteuse. Alors je dis, mais comment tu peux sauter par-dessus avec ton petit corps là? Elle dit, si, je suis tombée par-dessus. Et elle était en train de parler comme ça en pleurant. Si, 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 je suis tombée par-dessus. Je voulais pas la croire. Mais pourquoi tu me crois jamais, toi? Après, quand elle a enlevé sa main, j'ai vu les lambes basses. Attends, je te mets la photo juste là, là. Du premier jour. Quand j'ai vu cette basse que tu viens de voir, tout ton visage là, elle dit non. Elle a pas menti. Elle est vraiment tombée par-dessus. Bah oui, en fait, j'ai voulu faire un 4, genre 4 saltos d'affilée. Genre, j'ai voulu faire. J'ai sauté, j'ai voulu faire ça et rester en haut en faisant 4 saltos. Sauf que j'ai sauté par-dessus le filet et je me suis cogné la tête. La tête la première par terre. Donc, j'y mets de la glace, j'y fais les premiers soins. Et je vois qu'elle parle normalement, elle a pas de vomissement, elle a pas de sang, elle a rien. Alors je me dis, bon, bah c'est bon, je lui mets de la glace. Ah, mais ça fait mal. Ça fait toujours mal quand on touche là où on appuie là, ça fait mal. Alors du coup, j'ai surveillé toute la nuit quand même. Mais dans la nuit, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fois, quand elle dort en temps normal, elle fait le ninja. Elle donne des coups de pied partout. Ou bien elle parle, elle fait. Mais je l'entends à l'autre bout de la maison, tu vois. Oh ouais, là, je t'ai fait un bon coup quand je t'entends dormir. Genre, je pas Et du coup, cette nuit-là, elle a pas fait de bruit. À 3h, je me réveille en panique. Je me dis, mais ma fille, mes 9 mois, elle est morte ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas morte, moi. Je suis montée pour la voir dans sa chambre parce qu'elle dort au premier. Et moi, je dors au rez-de-chaussée. Je monte et je la vois dedans. Mais c'est normal. Quand je me dis, ah bah c'est bon hein. Quand j'ai un truc au front qui me fait très très mal, je peux plus te brûler. Je reste immobile puisque sinon si je. Oh, ça fait mal. Pourquoi? Et du coup, le lendemain. Donc, le lendemain c'était genre. Hier, bah hier. Le lendemain, donc hier, j'appelle l'école. Je dis à la directrice, oui, ben, je suis la mère de Sephora, elle ne pourra pas venir à l'école aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec le médecin, je vous tiens au courant. La fille qui voulait être avec son amoureux. Et du coup, elle me dit, ok, tenez-moi au courant. Pour savoir si elle va manger ici à midi ou pas. On part chez le médecin. J'explique au médecin qu'elle est sautée, elle a sauté par-dessus le truc. Ils ont dit, mais c'est quand même bizarre. J'ai dit, ben, regardez sa bosse. Il me dit, ouais, là c'est vrai quand même, ouais. Il dit, ah oh, ben je vais mettre partout moi, comme il dit. Du coup, le médecin l'examine. Il a été avec un interne. Le interne l'examine, il touche là. Est-ce que tu as mal? Oui, j'ai mal. Est-ce que tu as mal là? Oui, j'ai mal. Il touche la tête. Est-ce que tu as mal? Oui, j'ai mal. Il touche la nuque. Est-ce que tu as mal? Oui, j'ai mal. Il touche le bas du dos. Est-ce que tu as mal? Oui, j'ai mal. Tu as mal où? J'ai mal partout. Tu es sûre? Elle aussi. Oui, j'ai mal partout. Okay, regarde-moi l'enfant là. Comment c'est une mytho? C'est une mytho. Après, il dit, expliquez un peu à votre fille. Parce que si elle dit qu'elle a mal partout, il faut l'emmener aux urgences. Mais si elle a pas mal partout, il faut qu'elle comprenne la différence entre la sensation du toucher et la sensation de douleur. Donc j'explique à ses bras. Dès qu'il retouche là, ah bah non, on dirait que c'est maman qui m'attache les cheveux. Ça fait pas mal. Hein. Il touche la nuque. Bah ça fait pas mal. Hein. Il touche les bras, bah ça fait pas mal hein. Ok, bah donc tu pars à l'école l'après-midi. Mais non. Elle est dans ma... Ah non. Mais non, je ne veux pas aller à l'école. Non, quand on m'a touché la tête, là c'était vrai. Puisque là ça fait mal, puisque ça fait tourner ça. Oui, mais il te touchait là. Il te touchait pas là, il te touchait là. Elle a crié tous ses ancêtres, je veux pas aller à l'école. Mais si, en plus, après je changeais d'avis puisque je voulais voir mon amoureux. Mais après... C'est pas que t'as changé d'avis. C'est qu'il t'a forcé, il a insisté pour dire que tu vas à l'école. Moi j'ai regardé Sephora. Il m'a dit mais du coup si elle va bien parce que je vois qu'elle est toujours autant pipelée, elle est tout le temps moulin parole. Donc ça veut dire qu'elle va aller à l'école. Je regarde Sephora et je lui dis, tu te sens fatiguée? Tu te sens comment? Tu veux te reposer ou tu veux aller à l'école? Genre si tu restes à la maison tu te reposes. Elle est en CP, c'est bon, elle peut louper une journée. Elle dit oui, je veux rester à la maison, je veux me reposer. Et l'après-midi, je vais encore bien retourner dans le trampoline pour encore faire des saltos. Elle dit moi, j'aime sauter haut dans le trampoline. Comme ça, je regarde les toits des maisons des voisins.
Ben oui, une fois j'ai sauté, j'ai vu tout le toit quoi. Pourtant il y a un filet autour du trampoline hein. Ben en fait je saute très haut comme au moins une fusée. Je peux sauter à l'espace. Je peux sauter à l'espace. Mais j'ai sauté tellement haut, genre j'ai fait vers l'infini et au-delà. Mais après j'ai fait genre j'ai... Les nouilles là elles sont pas obligées. Genre je vais faire un rond pour gratter. Quand j'ai fait ça, je suis restée coincée sur le fil. Après je voulais me libérer. T'es la première par terre. Tout le monde s'est moqué de moi, ils ont dit c'est pour à la colline, c'est pour à la colline. Tout le monde à l'école s'est moqué d'elle l'après-midi. Ouais, mais il y a mon amoureux, il m'a défendu. Il t'a défendu? Oui. J'aime bien. C'est ta meilleure amie aussi, tu m'as dit que ta meilleure amie t'avait défendu. Ouais, c'est vrai. En fait, les nouilles là, elles sont pas épicées. Quoi? Enfin, elles picotent vite fait. Mais elles sont pas hyper bonnes en fait, le goût il est pas... J'ai rajouté les œufs, les saucisses et la viande hachée mais c'est pas super bon quoi en fait. Ah c'est pas bon ça, pas bon, pas trop bon mais c'est bon un peu. Les gueules là, de Otogi, il a un goût assez bizarre en fait je trouve. Là je mange parce que j'ai faim, c'est mon seul repas de la journée, j'ai hyper faim. Vous avez hyper faim mais... J'ai pas mangé ce matin et ce soir je vais pas remanger donc je vais manger encore cette bouchée là après c'est fini. Hein. J'ai plus faim après. Ouais. Moi j'ai une question à te poser. Alors c'est un devinette. Qui je préfère dans la classe? Ton amoureux. Ouais, bonne réponse. De quelle couleur est ma meilleure copine? Bon. Je bois un petit coup et je vous dis bye. Ouais. T'as tout vu direct. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Vous avez vu le front de Sephora? On dirait pas Ibiza? C'est quoi ce front? Maman, qu'est-ce que tu fais?